Mes amis, nous sommes en direct de Los Santos, épisode 23, j'espère que tu vas bien et que ta flore intestinale se porte à merveille. Sache que nous allons commencer tout de suite la mission et que nous sommes... J'aime bien quand il marche comme ça. Salut. Les psychopathes. Bon, c'est où qu'on rentre ici? C'est où qu'on rentre? Ça veut rien dire. Ça fait plaisir. C'est là qu'on rentre. What's cracking? Hey, I jacked the last ride on that list. You ready to go? Shit, I'm ready to get paid, nigga. Crazy man's got the other ones. Come meet me by Glass Heroes and Strawberry so we can do the damn thing. I'm on my way. Bon, on va rejoindre je sais pas qui pour récupérer la voiture. Hein, la dernière voiture de la liste pour la, tu sais, la petite secrétaire particulière avec ses petites lunettes. Moi, je la trouvais vachement mimi, celle-là. Ben, elle est juste à côté, tu vois. On voit. Bien de la chance. On n'est pas loin. Glass Heroes. Elle ouvre cette caisse. Fais un tour. Les pneus. Elle est là, magnifique. Bon, tu montes dedans, mon pote. Allez, dépêche-toi. Il est taillé, Franklin, comparé aux deux autres, hein, quand même. On met la voiture au garage. Ça m'étonnerait que ça se passe tranquille. Il y a quand même de grandes chances qu'on se fasse poursuivre. Hop là, on va essayer de pas l'abîmer. Je le sens pas, moi, je sais pas pourquoi. Comme toi, ah, d'accord. Ça a l'air de s'être trop bien passé pour... Il est trop sûr de lui. Excusez-moi, je me concentre sur la route, hein. J'essaie de pas la casser, de regarder le GPS en même temps, de tout gérer. C'est chiant. Non, on n'y est pas. C'est là. Mais à mon avis, ça va pas se passer si bien que ça. On y est. Boss man's happy. Then we'll get moving. Man, this old bust ass nigga ain't no boss. Enough, nigga. Get your ass in the truck. Let's go. Sonora Freeway. En camion, Simone. C'est parti. Au point de 12 km. Oh, j'ai jamais vu une distance aussi longue. Là, pardon. Non, ça va être interminable. 12 km avec ce truc. Non, c'est pas possible. C'est quoi cette mission? Oh non. Allez, on dégage. Poussez-vous. Manque plus qu'on soit poursuivi et c'est la mort. Des belles caisses là-dessus, hein. Ce qu'on va faire, c'est que ce trajet, je vais te le mettre en méga accéléré. Parce que franchement, se taper 12 bornes comme ça, à moins qu'il y ait des sursauts de... je sais pas, la police qui vient, il se passe un truc intéressant ou quoi, on verra. Sinon, là, à partir de maintenant, musique accélérée, enfin du moins image accélérée sur musique que j'aurais décidé de mettre. Surprise. Bon les gars, comme prévu, pour activer et activer le vue cinéma. Comme prévu, on a des soucis sur la route. On voulait s'arrêter manger un sandwich triangle dans une station essence. Et du coup on vient de s'apercevoir d'un truc. Maintenez le camion stable pour Franklin, ok. Il est où Franklin? Ça marche. Donc Franklin doit monter dans une voiture. Doucement, 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 stable. Stable pour Franklin, doucement. Et Franklin doit monter dans la voiture de James Bond pour semer la police. Semer le doute en eux.
Parce que là, pour poursuivre, à nous poursuivre, semer la police avec ce 38 tonnes blindé de voiture, c'est pas gagné. Donc on va faire attention à notre ami Franklin. Je vais éviter de taper dans tout ce qui bouge, contrairement à tout à l'heure. Superbe. Allez mon Francky, fais-nous rêver. Fais-nous rêver Francky. Montre-nous que t'es un homme. Montre-nous que t'as du swag. Allez. Vas-y, rentre dans ta bagnole, non? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et là, vous allez voir que je vais prendre la voiture. Enfin, du moins le volant, c'est même ce que je pensais. C'est parti. Protéger le camion de flic. Comment on fait déjà? Tirer. Et R3 pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, les pics, c'est comment déjà? Non, c'est pas ça. Voilà, les pneus crevés, c'est ça. On laisse des pics dans tous les sens. Nickel. Et derrière, quoi? Oula, on a carrément 3 étoiles maintenant. Bon. L'aventure ne fait que commencer, j'ai envie de te dire, quelque part, hein, et les étoiles ne font que s'accumuler. Voilà. Nickel, les deux, hein. Lâche des pics. Pique-nique, nique-ta. Non, je vais pas être vulgaire, hein, mais ma chanson aurait pu vraiment continuer dans cet objectif quelque part. On va se mettre devant, hop, on freine des pics. Voilà, piqué collégramme. Bourré ratatam. Voilà. Oh, elle démonte cette caisse. Franchement, c'est dommage vraiment qu'on l'ait pas en multi, quoi. Quand tu vois ce qu'elle tire, la folie. Hop là, qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Lui, normal. Normal, allez, on dégage. Hop là. Où il va? Où il va monter? Pourquoi il s'est barré, Trevor? Il a changé de route, j'ai pas compris là. On était attirés vers le point de livraison. Ok. J'espère qu'il n'y a pas 12 km à se retaper. Sinon, ça ferait chier. Si c'est le cas, je me jette par la fenêtre. Dans 3 secondes, tu vas savoir si je saute. Ça va. Allez. Voilà, une voiture de moins. Par contre, en même temps, voilà. 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 Oh, l'enfoiré. Je crois que le point de livraison, c'est trop tard. C'est mort, là. Encore une fois. Il est pas mort, hein. Dis donc. Je vais essayer d'en mettre à foison, quoi. Oh, les enfoirés. Oh, les enfoirés. Oh, les enfoirés. Plus le minivan qui s'y met. Je sens que ça va faire la mort, cette mission, encore. Fais chier. Allez, pose des clous. Vas-y, pose des pics. Ouais, comme par hasard, les trucs sont tous en train de te... Voilà, c'est fait. On continue. On pose des pics. Et voilà, on est content. Est-ce qu'il faut que je remonte dessus ou pas? Une étoile. Je crois que c'est réussi. Ça va. Encore quelques pics, on sait jamais. Voilà, c'est bon. 11 km du point de livraison encore. Mr. Clinton, where are you? We're coming up to GOH. Man, the cops was all over us. They slowed us down some. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio truck stop. Be here soon. Bon. We're taking a ride to the truck stop at Procopio. Roger that. Suivez le camion jusqu'au point de livraison. Ouais, bah ça risque d'être encore bien long, cette connerie. Suive le camion, oh là. Accélération de l'image. Obligé. À toutes.
Hello, Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now, where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'on va pas être payé sur ce coup-ci. C'est bien dégueulasse. Temps, machin, sans une égratignure, plus de pneus, médaille d'argent, c'est superbe. Par contre, bah du coup c'est fini. Et quand c'est fini, toujours une petite musique mexicaine, c'est très important. Allez Lester, dis-nous ce qu'il y a à faire. Franklin. What's happening, Lester? Hey look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Let's see, his phone is offline, his credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now, nothing. Damn, is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble, huh? I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? Bon, on doit aller chez la tante. Ce que je vais faire, on va se garer parce que c'est toujours plus prudent quand on fait pause de se garer. Et on va regarder ce qu'il y a à faire. C'est quoi ce chemin de fou? Ah, direct, il m'a mis un point repère pour rentrer chez moi, quoi. 10 km. Oula, doucement. Bon, on retourne à la maison, je vous dis à tout de suite. Encore du trajet, que du trajet. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'on fait du trajet dans ce jeu? J'ai l'impression d'être toujours sur la route, moi. Hein? J'ai l'impression de travailler dans le transport. Truc de dingue. À tout de suite. Ah. Bon les gars, j'aimais ce chanson. Hein. Ouais. J'espère que tu vas bien. Tu t'es pas endormi. Parce qu'en perso, je vous promets, tous ces trajets, ça m'a fatigué, j'en ai marre. Des 12 km par-ci, des 12 km par-là, j'ai l'impression d'avoir fait réellement un trajet. Là, j'ai envie de m'arrêter, boire un café, hein, sur une aire d'autoroute. Non mais je pars en vacances, c'est la même quoi. Hop là, on est arrivé. C'est parti, on rentre à la maison, on va chez Tata, on va voir ce qui va se passer. We are women, we are free, we're bringing an end to the patriarchy. We are women, hear our pain. We are women, hear our shout. We are women, have no doubt. We are women, we are free. We are shut the fuck up! Thank you. Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh, what is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? No, really? Man. Oh, no. What? Oh, so what, it's just me getting hurt, is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Man, calm down. I have met a lot of assholes in my life, but you? Oh, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker! Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so let's hug it out.
Right? You're so fucking funny, gotcha! Huh? Oh, fuck, no, I'm not funny! Fucking asshole! Oh, fuck, I had a difficult childhood. Damn, man, you all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have just fucking... Look, man, Lester said you had some information for us about Michael. Michael, fuck Michael, I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before, but what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they're holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit, that's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Assholes! Bon. Trevor, toujours aussi barjo, on est d'accord? Hey, it's me. Qu'est-ce qui se passe? What did Trevor say? Il est mort. Man, hop là, being held by a Chinese crew because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Une application pour le téléphone. Oula, Michael, qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, mais c'est vrai qu'il était pris par les Chinois. He ain't my Gila. Don't try to persuade me, you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I had to call in every favor I could in the Midwest. And then you killed several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Hey, Trevor Phillips isn't coming. Whoa, 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 whoa! No, hey, hey! Hey! Hey, this is a big fucking mistake! Qu'est-ce qui se passe? Temps restant. D'accord, donc j'ai un laps de temps pour aller sauver Michael, ça se trouve en bas à droite du menu du téléphone. Non. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai voulu sortir le téléphone et comme un con, il m'a envoyé là. J'ai pas tout suivi là. Vas-y, reprends, voilà. Reprends ma... Ah oui, mais c'est vrai que j'ai ma manette qui déconne, donc si j'ai le malheur d'appuyer en bas. Du coup, comme il avance tout seul, il me fait changer de personnage. Désolé du petit bug que tu auras vécu. Moi, je voulais juste le téléphone à la base. Hop, sors le téléphone. En bas, à droite. Tractify. La position de Michael est indiquée par un icône rouge sur l'application Tractify. Ah, ok. Oh là là, ok. Ok, ok. Donc là, il me reste un petit laps de temps avant que Michael crève. Donc, il faut que je me dirige vers ce point rouge. Il est par là. On le sent. Il est là. On s'en rapproche. Il est pas loin du tout. Enfin, pas loin du tout. C'est en train de s'éloigner un petit peu des fois. On va avancer au max. Mon petit Michael, j'arrive. N'aie pas peur. Je vais te sauver la vie. C'est juste un peu galère. Donc là, on n'est pas du tout dans la bonne zone. On va faire demi-tour. Cul-de-sac. Rond-point de lotissement. C'est génial. Michael, j'arrive, n'aie pas peur. Enfin, tu pourrais avoir un petit peu peur, parce qu'avec moi, c'est pas dès que tu sois sauvé. Donc tout droit. Hein? Tout droit. On va prendre cette petite ruelle, normale. Qu'est-ce qui se passe ici? Y'a plus rien, c'est pas grave, on y va quand même. Tout droit, tout droit. Hop. Non, là on perd la trace de Michael. Le temps s'écoule. Tout droit toujours. T'as l'impression que tu t'en rapproches, mais en fait, le point rouge, il se barre. Donc tu t'en rapproches pas tout le temps, en fait. Je sais pas si tu m'as suivi. Oh non, on passe pas, j'y crois pas. D'habitude, on défonce tous les grillages qui existent au monde. Et pas cette fois. C'est ce qu'on va faire. Je sais pas si ça va fonctionner. Allez, saute.
il peut pas, c'est superbe. Donc je perds un temps fou, et je pense que là je vais fail, tout simplement. Allez, monte dans ta bagnole, dépêche-toi, putain. Parce que si je fail pas, c'est pas rigolo. Allez, un petit demi-tour inopinant. J'ai fait n'importe quoi, c'est génial. Là je suis complètement coincé, j'ai la voiture qui est défoncée. Le temps s'est écoulé, je suis en train de perdre Michael. À part ça, tout va bien. Là je suis pas prêt d'avoir la mission en or, je te le dis. Comment ça se passe? Je peux passer par là. Voilà, excusez-moi. Hop, excusez-moi les arbres. Poussez-vous. Bah du coup, on va prendre la route traditionnelle, hein, qu'est-ce que je te dise. Avec un petit raccourci, hop, on y va. Ça c'est plus intéressant quand même. J'ai l'impression que le père Michael est à Shy. Ou alors il est en train de se déplacer en même temps, parce que franchement, plus j'avance, plus il recule. Si tu avances et tu recules. Comment veux-tu que tu recules? Là t'es en train de partir. On va prendre la droite. Je crois que le temps, j'ai trop laissé traîner. Oh, j'étais presque. J'étais. Je le sens. Il est là. Il est ici. Ouais. Hey, you holding my friend against his will. Non, sort. Sors de la bagnole. Va te cacher, voilà. Voilà. Hop là. Le problème, c'est que là, je ne vois personne. Non, l'autre côté, dégage. Cache-toi là devant, voilà. Ah, mais j'ai des grenades. Petite grenade. Voilà, c'était génial. C'était l'instant grenade. Vas-y, montre ta gueule. Je fais quoi? Je fonce dans le tas? Vas-y, allez, on y va. Les gars, j'ai dû faire pause parce que la famille est rentrée entre temps pour manger. J'ai débordé sur le temps. Là, c'est l'heure de la sieste, donc du coup, je vais chuchoter. C'est les inconvénients d'une chaîne familiale. On continue, on finit cet épisode dans la tranquillité. Je sais plus où j'en étais, s'il s'est passé 2 heures entre temps, le temps de manger, d'emmener les petites à l'école et tout. Enfin, vous connaîtrez ça plus tard. Là, vous faites les malins. Tu vas voir quand ça va t'arriver sur le coin de la gueule. Tu vas rien comprendre. Donc là, je chuchote. Ça n'empêche pas de trickshotter quand même. Tiens, dégage. Oh là, double. Donc je sais pas combien de fois j'ai fail, mais j'ai fail. Voilà, on y va. On y va. Lui, on va se le faire direct. On va saouler lui. Voilà, son pote c'est fait. J'aurais quand même préféré un Trevor ou un gars comme ça, parce que là j'avoue que je l'ai trouvé un petit peu moins compétent pour le combat rapproché comme ça. Voilà, bien rechargé. Est-ce que j'ai quoi comme arme? Et si j'allais aux pompes, tiens, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne avec le fusil à pompe, tiens. Bon, ils arrivent. Ouh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal en fait. Peut-être que je devrais rester au pont, ce sera plus simple que de me faire chier avec la mitraillette. Cache-toi. Hop là. Ah ouais, double pompe. Ouais, il fait trop mal. Ah mais complètement, franchement, depuis le départ j'aurais dû prendre ça. Ça va beaucoup mieux avec ça. Tiens, pleine tête. Tiens, dans la tienne. Allez, recharge-moi ça, parce qu'il y a du monde qui arrive. Vas-y, montre-moi où tu es. Tiens. Non, il fait bien mal, ouais. Franchement, j'aurais dû, depuis le départ, utiliser ça. Hop là, petit saut. Et on se cache. Toi, c'est fait. Ta gueule.
Oh, that machine's stuck, man. Get here before it comes back and eats me. Come on. Voilà. Là, c'est l'endroit où j'ai bien galère. Bon, pour l'instant, ça va. Je m'en sors pas mal. Il m'en reste un. Il est où? Voilà. Un autre qui arrive au fond. Je sais pas combien ils sont dans cette usine, mais ils sont un bon paquet. Cache-toi. Ce serait dommage de fail maintenant. Voilà, lui c'est fait. Allez, recharge-moi tout ça. Il n'y a rien à prendre. Peut-être une tête de veau. Pour faire une bonne tête de veau maringo. Après une bonne mission comme ça, rien de tel qu'une tête de veau maringo. Vas-y, cache-toi. Je voulais te faire le con, là. Ah, mais là, Michael. Hop là. Aïe, oulala. Ouh, ça sent pas bon. Lancer une arme à Michael. Hop là. Hop là. Freestyle. C'est qui Moïse? Parce qu'il est chaud patate, le videur de la Paris Game Week. Faut pas l'emmerder, c'est qui Moïse? Qu'est-ce qu'il veut le Kikou? Tu le veux ton coffret Call of Duty Ghost? Tiens, dans ta gueule, suivant. Imagine, il pète un plomb. Il tue tout le monde là-bas. C'est qui Moïse? C'est bon, on y va. Pourquoi il met la mitraillette? Je sais, ça peut vous paraître bizarre que je chuchote. J'ai pas le choix. On fait comment là pour sauver Michael? Allez là. Et comment je l'aide? Ici je pense. Là y a pas un truc pour le faire descendre, hein? Non? Bon. À moins que je vise sur le crochet. Non, que dalle. Comment est-ce que je l'aide? Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la priorité. La priorité, ça m'a l'air d'être de continuer à tirer sur tout ce qui bouge. Voilà. Hop là. On va se cacher derrière la marmaque. C'est vrai qu'ils sont un paquet, hein, mais c'est des schnaves en même temps. Hein. La famille, ils sont nombreux. Hein. Ils sont rarement une dizaine, quoi. Ils sont même plutôt souvent une cinquantaine. C'est pas pourquoi je dis ça, parce que je sais pas des chiffres exacts. Oula. Hop là. Bon, attends, ils vont le faire depuis tout à l'heure, ça. Ça fait une demi-heure qu'il est comme s'il kiffait, tu sais, il est en train de jouer à chat perché. Échappez-vous de l'abattoir. Tu m'étonnes, on va pas y rester. Hein, moi, je vais pas payer un loyer. Franchement, on va vite se casser. Est-ce qu'il a une autre arme? Non, rien du tout. Mitraillette. Hop là. Mais mitraillette sans rien. Là, il y a un couteau. Non, on s'en fout. Allez, là. Michael fait le Bruce Willis avec cette coiffure. Allez. Tiens, coucou. Bon, c'est tendu les gars, hein. Je voudrais pas dire mais... Pas pour vous, ça vous fait rigoler, mais pour moi c'est tendu. Cache-toi. Dégage. Montre-moi ta tête. Voilà. Hop, tu vois, le petit frère il est où? Voilà, c'est fait, allez go. Cache-toi. Il y a moyen de prendre, attendez. Un petit coup Franklin. Cache-toi. Moi c'est fusée à pompe avec Franklin, faites pas chier. Ça va 15 fois plus vite. Voilà. Voilà. On y va.
En fait, quand tu perds un peu d'énergie, du coup, tu peux alterner avec le deuxième perso. Ça fait bizarre de voir chuchoter. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va. On monte dans une caisse. Allez, monte, mon petit Michael. On se casse. Bon, on est à 4 km de chez nous. Je pense qu'on va se faire poursuivre en bagnole. Sinon, c'est pas rigolo. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais ça va, c'est une bonne caisse. Donc, on va essayer de gérer la situation. Attention, les touristes. Un petit vol bled. Dégage. Bon, en tout cas, ils tirent de loin, les gars. L'essentiel, c'est que j'espère aussi que la mission est finie comme ça. On peut s'arrêter là. Hein, parce que je pourrais pas faire... Waouh. Je pourrais pas faire un épisode de 3h30 en chuchotant. J'ai horreur de ça. Il fallait... Oh merde. Il est tour. Mais vite. On y va. 2 km 292. Ils me rattrapent, les enfoirés. Le stress est en nous. Je sais pas comment tu vis la mission, mon ami, mais... À mon avis, tu stresses aussi. La course-poursuite est épique. Et je crois qu'il va crever les pneus, cet enfoiré. Je suis pas sûr, mais je crois... Hop là, pardon. Comme par hasard, t'as toujours un pegno qui veut traverser la route dans le sens inverse où, où tu dois passer. Tu vois, comme ça. Wow. Olé. Pardon. Non, pousse-toi. Hop là, petite feinte de cabri. Ah, tu la connaissais pas, celle-là. Hop, tu passes entre les voitures. Tu tournes sur la gauche. Eux, tu les as semés. Un petit coup sur la droite. Et on est bientôt à la maison. Ils ont plus l'air de... ils poursuivent encore. J'allais dire, ils ont plus l'air de poursuivre, mais... Hop là, on va éviter le platane. Hop. On y est. On va chez qui, là? Chez Michael, en fait. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà, à la maison. Hop. I see you. For sure. Hey, sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right. Well, listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right. Look. I made a judgment call. I don't know if it's the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Just saying. Mission réussie. Il me restait pas grand chose à faire, c'est bien ce que je pensais. Épisode terminé. Je vous embrasse. Portez-vous bien, on se retrouve à l'épisode... je sais même plus, 24 peut-être. Veuillez m'excuser de cette fin de vidéo en mode chuchotage, mais respect de l'enfant oblige. Et n'oubliez jamais, mais alors, jamais de dire... C'est qui Moïse ?